Salut. 160 jours, 20 heures. On Beautiful HRT. C'est une couette. Je vais me libérer un petit peu le cou, tu sais. C'est beau, un coup de femme. Bon, une couple de petites affaires aujourd'hui, peut-être bien. Je suis en train de travailler tantôt, je suis dans ma pause. Je suis en train de vapoter dehors, puis j'ai dit à mon collègue, je dis en tout cas, il y a une affaire qui est étonnante, c'est que tu décides pas quand t'es 5 pouces, hein. Tu le décides pas. Tu pousses, puis c'est tout. Ça fait mal. Ça fait. Tu sais, c'est comme quelques pulsions, puis là, ça passe. Mais là, aujourd'hui, c'était quand même puissant. Ça, j'étais à la pause, puis je pense que c'était lui. Une journée, c'est lui. Une journée, c'est lui. Ça pousse. Ça pousse solide, pareil. Ça fait mal quand ça pousse. Un peu comme, je sais pas, moi, les... Quand tu grandis, t'as mal. Juste tes muscles, tout. Tu grandis. Ah, c'est un petit peu le même feeling, là. Que t'as mal, quelque chose pousse. T'as à peu près le même feeling que quand t'as poussé de croissance. Oh, c'est carrément ça. C'est une poussée de croissance, mais vers la femme. Je me suis tendu les cheveux hier. Et moi, c'est vrai qu'ils sont beaux. Ils sont tout doux. Je les aime tellement. Puis ils poussent. Ils sont rendus là, genre. Puis là, j'espère qu'ils vont être rendus lourds, là. Cet été. Ouais, je me trouve vraiment. Aujourd'hui, ce matin, je me suis maquillé un petit peu plus. J'ai rajouté la petite ligne en bas que normalement je mets pas. Mais je me suis dit, gars, all-in. À ce temps, c'est all-in. Je trouve ça beau. Il y a une infirmière au travail, elle m'appelle Beauté. Elle m'a dit, ah, mon Dieu, ça te dérange, je t'appelle beauté. Je dis, non, 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 au contraire. À chaque fois que tu me dis ça, ça me fait un petit blast d'euphorie, là, tu sais. De joie, là, tu sais. Un petit blast de beauté. Oh! Oh! Mélodie, oh! Ah! À matin, une des premières affaires qui se passe. J'étais à mon utilité, ma porte est ouverte. Il y a un magasinier qui. Enfin, pas magasinier, mais un gars qui est à l'hygiène avant, là, qui est rendu. Pas à la technique, mais pas à la maçonnerie, mais voyons. Métier, les gars de métier. On appelle ça les gars de métier. C'est du monde qui ont fait un DEP, travail. C'est un, t'sais, eux autres, ils ont un métier pour vrai. Moi, c'est pas vraiment un métier, moi. Du coup. Fait que là, il passe. Là, il dit. En se pensant drôle. Il passe vite fait, puis il me lance de même, comme s'il se trouvait drôle. Salut, Jean-Mélodie. Je sors de mon local, je dis, c'est Mélodie. Chris. C'est parce qu'il s'est trouvé drôle. Il passe, il fait hey, salut Jean-Mélodie! Non, c'est Mélodie, calvaire! Qu'est-ce que tu comprends pas, Chris de cave? Là, les tannants de même, ils m'énervent. Puis il y a une madame un matin. Elle me regarde du bout du corridor, puis elle me dit, monsieur, t'sais, ah, lui, t'sais, lui, ah. Puis là, il y a un gars, il est juste en face d'elle, de il dit, c'est parce que c'est une femme. Elle fait comme, non! Là, j'avance vers elle, c'est dommage. En regardant le bain, jette mes affaires. Madame, c'est parce que je suis une femme. Elle me dit, mais non. Elle dit, oui, madame, je suis une femme. Regarde. Oui, je suis une femme. Puis là, ce que je fais souvent, c'est que je tourne un petit peu de même, puis je lui donne un petit boost, tu sais. C'est comme, look at my boobs! I'm a girl! Puis je leur dis souvent, c'est.
C'est la voix, tu sais, la voix est basse un peu, je vous comprends, tout le monde fait l'erreur. Mais je me dis, mec, mes cheveux sont bien longs. Une belle chevelure, que tout le monde va être quasiment jalouse. Ben là, puis là, ça continue de pousser, tu sais. Je suis comme rendu à B, je pense. Ou genre, le plus gros du A, plus petit du B, mettons. Parce que, non. Des fois, j'ai envie de me battre. Des fois, ça me tente pas. Aujourd'hui, ça me tentait. Tu sais. J'ai pas toujours l'énergie de vouloir confronter les perceptions des gens, tu sais. Mais plus tard, après ça, cette madame-là, j'ai dit, faut s'habituer, madame, puisqu'il va avoir d'autres, il va en avoir d'autres des personnes comme moi. Je dis souvent ça, tu sais. Habituez-vous, là. Fiez-vous pas. Tu sais, chaque personne a comme son barème de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Les apparences, les manières. Admettons. J'ai des manières féminines, pas complètement. J'ai une apparence féminine, pas complètement. Fait que je suis dans l'ambiguïté. C'est my non-binary side, tu sais. C'est le fait d'être en transition, puis t'sais, d'être au début, quand même, t'sais, je suis dans mon sixième mois, fait que c'est normal que j'aie pas encore des hanches de solide, là. J'étais encore segmenté dans le milieu, t'sais. C'est normal que j'aie pas encore des hanches de solide. Des hanches de solide. Ceci. Ceci est un minou. Quand tu vois un minou, ça fait des vues. Moi, mes intentions ne sont aucunement de faire des vues. Mais bon. Ah, 160 jours, c'est ça. Il se passe des choses à la job. Le monde se mêle. Le monde s'habitue. Le monde m'accepte. Le monde a de la misère des fois. C'est pas toujours facile. Faut que je la rappelle. Mais là, c'est rare que le monde se mêle. Dans mon équipe, là. Non, non, le monde se mêle pas vraiment. Fait que c'est ça, je suis assez contente de ça. Une autre affaire. L'épilation définitive. Je suis en quête de l'épilation définitive. À partir de ma prochaine paye, je vais commencer à avoir un petit peu de jeu, un petit 100$ de plus, un petit 100$ de plus. Fait que je pense que je vais prendre ces sous-là pour me mettre dans l'épilation définitive. Fait que là, faut que j'appelle, qu'il y a des places. Savoir c'est quoi qu'il offre comme service. T'sais. Le but n'est pas de me créer un besoin. Si moi je veux l'épilation du visage puis du chest seulement, puis que je suis capable de dealer avec le fait de me raser en bas dans les endroits qui sont moins visibles, ben, j'ai une machine d'épilation, j'ai des rasoirs, je suis équipé, fait que je vais m'en servir mon équipement. T'sais. Puis de toute façon, l'épilation définitive, ça prend plusieurs fois. Fait que, tu sais, si c'est 100$ de la shot, j'ai aucune idée comment ça coûte. Ben, puis que ça te prend, mettons, 5-6 fois, ben, c'est 5-6 fois par place. J'ai entendu du monde qui avait mis, genre, des montants comme, genre, 15 000. À cause qu'ils se faisaient piler partout, 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 plusieurs fois. Fait que, moi, c'est pas mes intentions. Mes intentions sont uniquement que la partie visible de moi soit faite. Parce que là, bien, je travaille à l'hôpital, bientôt on va enlever les masques. Peut-être, on ne sait pas. Personne ne le dit, il n'y a pas de date butoir. Mais là, on commence à enlever des plexiglas et tout. Fait que là, genre, tranquillement, on va se minder là, parce que là, fucking écœuré. C'est lourd à avoir un masque d'en face. Ah, c'est tannant. Fait que voilà pour ça. Donc voilà, passe une belle journée, puis malgré ces petits accros au travail, il y a des points forts, il y a des points faibles. Encore au travail aujourd'hui, la même qui m'appelait Beauté a dit « Ah, t'as refait ta teinture? » J'ai dit « Oui, t'as remarqué? » Puis là, elle a touché un petit peu, j'ai dit « Oh, ces gars sont doux, sont full doux. Ah. » Je vais vous poser une question.
Ok. Répondez ou répondez pas. De toute façon, y a pas grand, tu sais, je veux dire, ma petite chaîne, y a pas grand monde dessus, là, tu sais. S'il y a une vidéo qui pogne 100 quelques vues, c'est parce qu'il y a un titre attirant, là, pis que ça a rapport avec la sexualité. Genre, juste pour dire qu'il y a une couple de fétichistes qui viennent virer par ici. C'est correct, ils s'informent, pis c'est quelque chose qui les intéresse, pis qu'ils trouvent esthétiquement beau, j'imagine, fait que... T'sais, pis il y a du monde là-dedans aussi, c'est des gars qui aimeraient peut-être faire l'amour, mais qui ils ont une famille, des enfants, fait que là, genre, secrètement, ils s'informent sur le sujet, ou ben juste du monde vanné, ben normal, qui veulent s'informer sur la transidentité, c'est bien correct. Ou du monde non-binaire, tu sais. Ma chaîne ramasse toutes sortes de personnes, de tous les genres, les styles. C'est ça, regarde, je vais peser suppose, je vais me faire une coupe de blast parce que là, je veux pas m'étouffer devant la TV, devant la caméra. C'est raide. Ouf, c'est raide. Ouf. Ouf. Ouf, ouf, ouf. C'est tellement raide. Ouf. Ouf. Soixante jours et 21 heures, on est choqués. Donc, à bientôt 161 jours. Je me trouve belle. C'est cool. C'est de ça que j'ai là. Oh, j'ai du doigt dans le creux. Tiens, tough, ce maquillage là, quoi. On va te reprouver. For real. 161 jours en HRT. C'est-tu merveilleux? Je viens de me partir avec mon huile essentielle. C'est une huile. Une huile magique, c'est écrit sur le flacon. Cette huile est ritualisée, apporte la paix, le bonheur, sert aux réconciliations. Avec moi-même. Ordinal dans les Metallica. I love the taste of the of E. I love the smell of E in the morning and in the night. Fait que c'est ça, je vais prendre mon estrogène ici, mes bloqueurs. Dans 6 mois, pas dans 6 mois, mais au mois de juin, je vais passer une autre prise de sang. Puis, si tout va bien comme ça, je vais demander des conseils à l'endocrinologue, savoir, hey, c'est parce que. Parce que je perds mes capacités. Mais il est arrivé quand même quelques fois, deux fois que je me souviens clairement. Et voire trois. Des fois où est-ce que je me suis fait plaisir. Puis genre que ça sortait vraiment beaucoup. Comme si je prenais pas de bloqueur, tu sais. Parce que normalement, les bloqueurs, ce qu'ils font, c'est que je les rejoins. Ce qu'ils font réduire mon shit. Puis ça fait que je viens plus ou je viens juste un peu.
On va le sentir comme ça. Je le masturbe, puis ça fait comme une goutte. C'est la fameuse goutte. Je vais parler avec d'autres personnes, puis c'est ça, c'est une goutte. Puis c'est ça, des fois, ça sort beaucoup, puis fait que je suis comme... Est-ce que au travers du temps, ça va continuer? J'aimerais ça pas... qu'il n'y ait plus de jus, mais presque. Je sais pas comment l'expliquer. Puis genre... une transformation male to female, là, c'est des étapes. Tu sais, puis... Moi, pour l'instant, je suis non-binaire transféminine, ça me dérange pas d'avoir un pénis, tout ça. Mais je sais pas pour quel... Il y a comme une graine qui a été semée quelque part. Par rapport à la vaginoplastie. Une petite graine quelque part. En tout cas... Mais c'est pas mon intérêt pour tout de suite. J'ai trop de choses à faire. Là, là c'est l'épilation définitive là, que je cherche. Là, c'est ça. Que, je vais faire un petit peu d'overtime. Je vais essayer de me ramasser 1000$. Puis, fait que c'est ça. Ouais, faire de l'overtime. C'est pas une mauvaise idée. Tu fais deux fois 4 heures dans une semaine. Puis l'autre semaine, 2 fois 4 heures. Fait que ça fait 8, 8, 16. 16 fois 21, moins les déductions. En tout cas, ça pourrait pas payer. Ça pourrait pas payer. Je pense à ça. Au moment où je vous parle, j'ai mal ici. Oh, celui-là particulièrement, je sais pas ce qui se passe ces temps-ci, mais... Il se réveille. Fait comme lui, il est trop gros, c'est à mon tour. Eh ben, poche la toune, ben, donc, elle est longue. Chris, excusez, j'en reviens. Ok. Mais qu'est-ce? J'étais allé au marché Jean Talon, avec mon ami Camille. Et puis, vers la sortie, il y a un petit magasin érotique. Tu sais, on rentre là, puis moi je m'amuse, tu sais. Puis là, les vendeurs, ils viennent me voir, puis ils font comme, mais qu'est-ce que vous faites là, là, tu sais, on veut vous servir, là, nous autres, on est payés pour vous servir, tu sais. Pis tu sais, moi, j'ai pas besoin de vraiment de conseils de la part d'un vendeur ou d'une vendeuse. Fait que là, tu sais, on rit avec le, pis à nous expliquer une promotion, pis tout ça, pis c'est cool. Tu sais, le womanizer, il est pas cher aujourd'hui, c'est cool, parfait. Tu sais, c'est bon. Moi, je suis une femme, mais j'ai pas de vagin, fait que c'est pas grave. Mais là... Tu sais, je vois qu'il y a des choses trop cheap ou soit qu'il y a des affaires trop chères. Pour rien. Fait que là, je me dis, bon, ok. Ah, je vois un petit quelque chose. Je vois une boîte. Puis là, on voit ça au travers. Je dis, ah, puis c'est écrit 40$. Pour un jouet en silicone. C'est chill, tu sais. C'est ça, c'est correct. Pour 40$, je l'ai vu, j'ai dit, ah, je suis en amour, il est rose, il est cute. J'ai justement besoin d'un masseur, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hein, on me massait un petit peu, là. Ah, ça fait tellement du bien quand je masse mes épaules avec ce petit appareil qui ne fait pas grand-chose pour les gros muscles.
Fait que c'est ça, je me suis dit, gars, 40$ pour ce beau petit jouet en silicone, et je l'ai essayé hier. Puis, non, c'est vraiment le fun. C'est pas quelque chose que tu pénètres avec. Même s'il pourrait y avoir des allures, je trouvais ça quand même louche. Parce qu'il y a un certain mode, là, on dirait que c'est comme ça part d'ici. Là. C'est comme, ok. Ah, d'accord. 40$ pour ce petit jouet. Je l'ai essayé, puis ça fonctionne. Ça excite bien, tu sais. De manière pas trop vulgaire, c'est que tu sais, entre tes jambes, entre ton anus pis les couilles, il y a un espace, il y a un gros bout de peau là, tu sais, pis c'est super sensible, c'est comme la prolongation du pénis. Pis là, à cet endroit là, endroit-là, ben t'excites, là. Fait que là, tu ton pénis, il est super excité, là. C'est comme, oh my god, il se passe de quoi ici? Là, ça envoie un signal, là, tu sais. Mais en tout cas, c'est vraiment juste pour exciter, là. Fait que, regarde. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de trucs kinky, sexuels pour moi. Fait que je me suis dit, cette petite addition à l'arsenal de mélodies. Peut-être vais-je faire un tour à un moment donné de mes acquis. Fait que c'est ça. Voilà. Donc voilà, j'ai juste écrit deux trois petits mots. L'évolution physique, là. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Je suis comme une fille avec un frame d'homme. Pas comme. Avant, c'était plus comme. Un homme avec des petites allures de fille, mais là c'est vraiment comme une fille dans un corps avec un frame d'homme. J'ai perdu mon piercing, moi. Ça me tentait pas de le remettre. J'étais un petit peu tanné. J'ai plus envie de me refaire percer les seins, sauf que je me dis c'est peut-être pas le temps parce qu'il pousse. Sec. On met de la crème. Don't mind my beer, by the way.
On dirait tellement Bring Me. Ah! Il faut que je parle de quelque chose. En gros, j'ai toujours été comme freak du ménage, tu sais, freak. Tu sais, moi, j'ai jamais rien qui traîne normalement. On est dans mon sixième mois, là, on est charti. C'est tellement mandant que là, je suis comme... Plein de petites choses que normalement, je ferais plus, je fais plus. Enlever du poêle par-ci, faire telle affaire. Dans mon appartement, je veux dire, là, t'sais, genre, certaines tâches, je les fais plus ou je... Ce que je voyais comme étant important avant. En tout cas, je suis tellement en mode laisser aller. Oh, c'est pas grave. Je suis comme plus stressé par rapport à mes tâches ménagères, puis mes affaires, puis... Tu sais, je me dis, c'est pas grave, j'irai demain. Puis je vais demain. Tu sais, je suis tellement plus stressé à rien. Puis je suis vraiment contente de ça. Je voulais vous partager cette bulle. Je vais aller gosser un petit peu, puis je vais revenir. Peut-être pas. Mais en tout cas, 161 jours au Nature T. I'm a fucking beauty. A rainbow. Je suis pas mal. Lesbienne. C'est plein de bonnes cochonneries. J'ai ouvert plein de sacs du Dollarama à une pièce, puis j'ai mis ça là-dedans. C'est débile. Faut pas trop que j'en mange, sinon j'aurai de la misère à dormir cette nuit. Salut.